Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette, un petit dessert que je vais appeler crème minute parce que c'est, je dirais, rapide à réaliser. Et donc là, je vais utiliser mon Cookeo comme une casserole ou un fait-tout. Il y en a qui vont me dire, oui, autant faire dans une casserole. Moi, je dis que je préfère le faire avec mon Cookeo. Voilà, c'est mon choix. Puis chacun fait un petit peu ce qui lui plaît. Donc pour cette recette, allez, c'est parti pour les ingrédients. Là, il va vous falloir 750 ml de lait. Là, il y a 60 g de maïzena que j'ai dilué avec de l'eau chaude pour que voilà, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Là, vous avez 100 g de sucre. Il nous faudra un sachet de sucre vanillé et puis 2 œufs. Et bien, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer à mettre mon Cookeo en mode doré. Et puis je vais mettre le lait dans la cuve pour le faire bouillir. Allez, pendant que le lait est en train de bouillir, on va casser les œufs. On va battre les œufs. Je vais ajouter maintenant la maïzena que j'ai diluée avec un petit peu d'eau tiède. Je mélange avec les œufs. Je vais maintenant ajouter le sucre, et puis enfin je vais ajouter le sucre vanillé. Bien, le lait à ébullition, je vais ajouter le reste de ma préparation, mon saladier. Je mélange. Et là, je vais faire. Je vais laisser à ébullition pendant 2 minutes. Et bien, je remue pour ne pas que ça accroche. Pour ceux qui auraient le Cookeo avec la version de cuisson douce, vous pourriez l'utiliser pour que ce soit un petit peu moins fort. Et bien voilà, je suis au bout des 2 minutes, je vais arrêter ma fonction dorée et je vais verser ma préparation dans des petits ramequins. Et bien voilà, mes petits ramequins sont remplis. Là, je vais les laisser refroidir à l'air libre et puis quand ils seront moins chauds, je les mettrai au frigo. Et puis vous pouvez accompagner cette petite crème minute avec des fruits de saison. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.